J'ai presque envie de lui faire sécher le crâne avant de Well met, sir. How fare ye? Thank you.
Still peaceful around. Alors, de quoi avez-vous besoin? Une autre fois. Capitaine Adam, allez, on va prendre ce... Toute la toile. Par tous les diables! Que s'est-il passé? Qu'est-ce que c'est, Gowazé? Nous arrivons trop tard. Non. Fort Frédéric est proche. Le colonel doit pouvoir le défendre. J'avais entendu le capitaine! Duller! Il l'a dit en personne. D'aller au fort. You there! Not a shot! Clear us off as we can get. Ready to take it down.
C'est l'œuvre de Kesegowaze, n'est-ce pas? Je pense, mais je n'ai pas encore aperçu ce démon. Le manuscrit. Vous... Protégez-le. Portez-le à bord. C'est un ordre. Vous donnez des ordres? À votre supérieur? Je ne fais pas partie de votre armée. Je m'occuperai des défenses jusqu'à votre retour. Qu'est-ce que vous voyez? Chien templier! Brûle! Chien templier! Tu te crois vraiment de taille à m'affronter, sale traître? Bien formé, traître! Kesegowaze! Il aurait dû en être autrement. Non, Shay. Tu es un ennemi. Achille finira par te tuer. Achille n'agit pas pour le bien. Qui es-tu pour en juger? Les Templiers sont perdus. Et toi, avec. Monroe. Est déjà. Mort! Qu'est-ce que tu dis? Liam... Le colonel est parti en direction des quais. Un colosse armé d'une hache pour chasser le colonel. Le manuscrit. Un assassin l'a pris. Liam. Je le récupérerai. Je le jure. Shay. Thank you.
Jures-tu de respecter les préceptes de notre ordre et tout ce que nous défendons? Je le jure. De ne jamais divulguer nos secrets, ni la véritable nature de nos actes? Je le jure. De nous rester fidèles quoi qu'il advienne, jusqu'à la mort? Je le jure. Tu es désormais des nôtres, mon frère. Tu es désormais un Templier, l'émissaire d'un nouveau monde. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Vous comprenez à présent? Je comprends pourquoi vous vous intéressez à Sheikh Cormac. Shay a vu le vrai visage du monde. Et il a choisi son camp en conséquence. Vous aurez bientôt un choix similaire à faire. Je pensais pas que t'irais aussi loin, mais t'as l'air d'être sur la bonne voie. On peut toujours pas accéder au serveur du sous-sol, mais il y en a un autre en haut de l'immeuble, près du bureau de Mélanie. C'est là que tu dois aller. On m'a donné l'ordre de monter la garde ici. C'est chiant comme la mort, mais c'est... Ce bureau appartenait à un homme du nom d'Olivier Garneau. Avant que je sois en poste, il était directeur de la création chez Abstergo Entertainment. Otzoberg est un cadre de notre société mère, Abstergo Industries. Il te fera découvrir la véritable histoire du monde, comme il me l'a montré. Olivier était un type gentil, intelligent et passionné par notre travail. Mais il y a un an, il a été happé par toute cette histoire. Ils n'ont jamais retrouvé son corps. D'habitude, ce n'est pas comme ça qu'on briefe nos employés, mais... tu as bien bossé et tu as fait tes preuves. Je t'accorde une autorisation de niveau 2. Les serveurs de cet étage devraient débloquer d'autres mémoires de Shay. François Mackendall a sauvé Baptiste de l'esclavage
pour l'initier à sa prétendue confrérie. Mackendall était un menteur cruel. Obnubilé par l'idée de libérer les esclaves, il enfreignit son credo en tuant les nobles sans distinction. Malgré la voie qu'ils suivent, certains assassins ont le sens de l'honneur. Pas Mackendall. En 1758, grâce au génie et à la ruse de Madeleine de Lille, les Templiers firent un exemple de Mackendall en l'exécutant publiquement. Ce qui lui tenait lieu de confrérie se délita rapidement. Quand son camarade et ami d'enfance Agathe s'enfuit en Louisiane, Baptiste comprit la futilité de sa vie passée, celle qu'il menait parmi les assassins de Mackendall. Consciente du potentiel de Baptiste, Madeleine exhorta ses Templiers à lui proposer un marché. S'il parvenait à faire sortir Agathe de sa cachette pour l'éliminer, il serait admis dans l'ordre des Templiers. Même si Baptiste fut tué par l'assassin Aveline de Grandpré, sa vie démontre clairement la supériorité inhérente des idéaux Templiers face au terrorisme des assassins. Ton animus n'attend plus que toi. Sachez que vous contribuez à une juste cause, même si elle se dérobe à votre compréhension. Je te tuerais bien, mais elle serait foutue de te ramener à la vie pour te remettre au boulot.